cadeau à la télé. Et qu'il n'avait pas à faire un cadeau. Il faudrait montrer aux enfants. C'est pour ceux de la vie. Il a voulu le dire. Ils ont aimé. Mais eux aussi, les enfants, ont payé aussi de ces cadeaux. C'est pour ça que nous avons décidé, il y a pratiquement 3 ans, que nous célébrons comme ça la Noël. Ici à Zaroko. Amen. Nous donnons pour apprécier aux enfants. Se réjouir. Nous donnons ces enfants qui nous les aimons en tant que parents. Nous préparons leur esprit pour qu'ils soient des meilleurs demain. Et qu'ils ne se retrouvent plus dans la sorcellerie. Pour aller manger papa ou maman, ils sont prêts. Ou elles sont, etc. Avec foutou. Vous sont gérés dans un foutou. Vous nous mangez la tête de son papa. Mangez le bras de sa maman. Oh non, ça. Non, nous ne sommes plus à ce stade. Pas de nous devons enseigner à nos enfants. Et à travers l'être humain a besoin d'être respecté. Oui, parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu. C'est ça l'éducation. Il faut commencer à enseigner aux enfants la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Or, on est sage dans la vie, on réussit. La crainte de la réussite, c'est la sagesse. Et la sagesse, ça va se prendre. Or, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement. Mais les dégâts, la sagesse. Amen. Alléluia. Le Saint-Péguel. Le Saint-Péguel. Et puis le ministère de la compassion des arts. La Confédération internationale de lutte contre la délinquance. Et le crise spirituelle contestée organisée. En principe, on devait être assis pour un jour. Il y a eu un problème de moins. Mais c'est pour pouvoir organiser la chose. Amen. Et que Dieu bénisse ce village. Notre village doit plus nous faire peur. Voici le message. Moi, il m'en fout sur les critiques, il m'en fout de ça. Et j'aime bien qu'on les critique. Aussi mes ennemis amènent Dieu à me bénir. Critiquez-moi, Dieu va me bénir. Le village a besoin d'être béni. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà, pour que Dieu vous bénisse. Pour que Dieu vous bénisse abondamment. Pour qu'il bénisse le village. Depuis, je suis dans votre village. Je remercie parce qu'il m'avait adopté. Je ne fais que vous exhorter à mon village. Je reste toujours sur ma même parole. Je ne vais pas pour ça ailleurs. Notre présence ici a fait de vos villages un village international, c'est mondialement. Il y a les Camerounais qui demandent, tu as des Arocos, il dit oui. Ça fait plus peur. Avant, on avait peur de venir. Après les affaires, les mangeurs d'art. Mais maintenant, ça fait plus peur. C'est ce qu'ils sont en train d'enseigner à nos enfants. Voilà, pour ne plus qu'il y ait peur de ce village. Amen, afin de pouvoir construire des maisons. Après que ce village s'est développé. Amen. Ça vous dit quoi? C'est mon nos enfants. Les jouets ne sont pas faits pour les hommes de la ville. Et Jésus les aime aussi. Nous les aimons aussi. Nous allons partager les cadeaux, nous allons partager les cadeaux. Mais nous sommes là ce soir pour fêter avec eux. Nous leur donnons un message très fort pour dire. Et puis avec nos parents. C'est important d'éduquer vos enfants. Et commencer à éduquer vos enfants. Leur enseigner le chemin de Dieu. Et dans la rue, il y a quoi par la main. Si vous leur enseignez le chemin de Dieu, et dans la rue, il y a quand même par la main. Vous allez voir qu'ils ne vont plus se retrouver dans la sorcellerie. Et si c'est la clé de Dieu, c'est la clé de la prospérité. C'est la clé de toute bénédiction. Mais les nous pas les amen.
apporter cette éducation à nos enfants. Alléluia, c'est notre message ce soir. Il y a un accord de l'éternel sur le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Amen. Devons-nous la sagesse à nos enfants. Et quand on prend le chemin de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour les notables. Amen. La notabilité, je vais vous présenter. Chef. Bien. Je vous viens. Je vous viens. Ouais, c'est bon. Amen. Amen. Nous sommes là. Ah oui. Vous êtes avec vous. Non, regardez, c'est le lit. Ça va pour là. Vous êtes où? Dans le double. Ça y est, les soeurs, hein? Mais vous avez dit, Yago. Et là, c'est Bigo. Et dit Bigo. Je suis présent ce soir. Mais il faut le coup. C'est mon village. Nous le coup double. Nous sommes en train de préparer quelque chose. Les apôtres zéro. Dans la vie de ses enfants. Mais il est tout le monde. Je vais enseigner la crainte de Dieu. Non, quand on va regarder la carte, on va regarder la carte. On va regarder la fin de l'édition. Nous voulons expliquer la vie de Dieu. Nous montrer à nos enfants que ce n'est pas seulement la télé qui doit voir le Dieu. Ils doivent aussi se fêter aussi comme nous. Voilà, donc la confédération est représentée par Seyko. C'est lui le président de la confédération internationale de lutte contre la délinquance. Je suis le responsable du ministère et du Saint-Pélien, basé à Saroko et puis à Tibo, qui a pour but d'évangéliser et de délivrer les gens pour apporter la vie de Dieu. C'est la Noël. Nous ne pouvons pas oublier le village. Saroko est notre village. C'est la troisième édition. Voilà. Et nous avons l'habitude de donner des présents aux enfants. Il faudrait que vous compreniez que le temps du diable s'est passé. Nos parents étaient dans le fétichisme. Nos parents étaient dans le fétichisme. Ils étaient en bas dans le fétichisme. Ils n'ont rien apporté. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Vous-même, le constat est fait. Vous êtes là. À quoi? Même parce que je suis orgueilleux du temps. Avant Crasso. Et pendant Crasso. Faites la comparaison. Avant, il n'y avait pas de route. À quoi? En plus de Marito. En partant, descendait les vieilles, descendait les bâtons, allait prendre de l'eau. Même si tu n'aimes pas Crasso, il faut reconnaître au moins les choses, les actes que nous avons posées dans le monde. Avant Crasso, toutes les contenus étaient la mort. Les gens ne mouraient qu'en casserole dans ce village. Nous avons détruit le pouvoir de la mort. Qui s'opposait au développement dans ce village. Il n'y avait pas d'eau potable. Vous avez de l'eau. Vous savez, le jour où un village reçoit de l'eau potable, le village est délivré de toutes sortes de maladies. Si les maladies de l'eau, ça provient de l'eau. Et quand on parle de développement, ça commence par de l'eau. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans santé. Donc nous, c'est une victoire. Nous sommes pendant notre présence. Nous avons prié pour ça. Dieu est passé au travers de moi. Je vous ai même dit dans 2 semaines, les gens ont donné de l'eau. Et c'est arrivé dans ce village.
J'ai toujours partagé avec vous. C'est comme ça que je suis. Terminé. Vous avez vécu. Aïe, alors il est là. Il vous délivre les démons. On s'est aidé. Papa vous mange, vous donne la vie. C'est pas l'obligation. Il est bien, c'est vous qui devez un garçon. Aïe, terminé. Mais je le fais par amour. La vie est de Dieu. On a Dieu en partage. Mais c'est un message. Il est revenu. Je suis pas obligé. Il est là, bien. Celui qui délivre, c'est sûr, non, mange. Ah, vous êtes pas compagné. Comme ça, c'est le principe. Celui qui te délivre, c'est lui qui te donne du corps et puis il mange. Moi, je mais moi, je vous délivre. Je ne suis pas dans les mal parler. Et je suis en train de mettre les points sur les nerfs. Vous me mettez à l'intérêt que l'intérêt que je visite, c'est Jésus. Amen. Vous me comme un pays. Pour ce profit, c'est Jésus. Il n'y a pas de Jésus. Sinon, je suis en train de prendre mon avion parti. Et voilà, avion, voilà, c'est bien. Voilà. Sur le plan international, je rentre en Paris, c'est 5000 personnes. Je rentre en Italie. Mais ici, chez moi, je suis là-bas, ma tête est ici. Nous allons nous changer les envies. Je vais vous prêcher la obligation. Il faut montrer la route. Pas la foi, moi. Je suis obligé. Non, il a la merde. Comme à soi, c'est vous qui donnez à manger. Et les autres, il y a un ami. Amen. Mais comme je suis chrétien, mais le fini est chrétien. Je dois vous enseigner l'amour de Dieu. Il a dit, je vais partager des messages. Il a dit, voilà, bien quoi. Amen. Voilà, donc c'est des signes très forts. Donc, il y a un coup à l'éva. Écoute, dis donc, quand le prophète a dit, frère, dis-moi. Il n'a pas oublié de donner des preuves. Ah, ok, mais ouais, on a bien envoyé des codes. Si le fait, c'est par amour. Bon, ok, nous, on va le voir. Que Dieu nous aide. J'avoue qu'il y a un coup. Et que Dieu nous fortifie. J'ai rien à dire. Chef, du tout. On n'a pas apporté des présents. Ah, non, t'as oui. On va donner ça rapidement. Dernier, oui. Hier, mon sixième album est sorti. Le jeu, hein. Il attaque les sorciers. Il chante aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est cela que nous avons un conseil. Ça c'est mon album. Le sixième chrétien. Alors le bruit. Le conseil du frère. Celui qui est là. Bon, il est là. C'est 3000. Banita. Tout à l'heure, vous allez écouter. Le Bétané, Alibana. Voilà, c'est du balai, c'est du costaud. On a eu des bons arrangeurs sur l'album. Les bons arrangeurs que vous connaissez. On a touché l'album. Ça attend de passer dans toutes les radios. Et puis, la radio, vous voyez, c'est bon. Fréquence 2, fréquence nationale, toutes les chaînes. Nous sommes en promotion. Les gens ont bien le fait. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de vous faire écouter le CD. De rien ni quoi. Et puis de vous vendre les CD. Et puis alors, c'est 3000 seulement. Bah, intacté. En Europe, on passe à 15 euros, ça fait 13 000. Et bien, le Google est 20 euros, ça fait 13 000. Elle est 20 quoi, là. En Europe, c'est 20 euros, ça fait. Les gamins, elle est 20 quoi, là. Et ça marche, tous mes CD sont finis. Les gros ou bien. Vous voulez les. Tous les CD, en France, c'est fini. Ah, non, il y a les gros. Les gens, vous. Vous appelez. Amen. Voilà, donc chef, nous venons Zaroko. Zaroko, c'est notre village. Et vraiment, le bout du coup. Pour vous, c'est une manière. Et pas ensemble. De divertir avec vous. On a un café de lui. Voilà, de vous bénisse. Mais on va pas être allô, allô. Je remercie toute la pression de Zaroko. Et pas un Zaroko, je ne vois pas vous. Le prophète Joël Crasso. Mais à part ici, dans la salle depuis 2012. Et 2012, aujourd'hui, on voit que il y a une très grande évolution dans le village. Grâce au prophète, je
Nous avions eu ailleurs de l'eau dans ce village. Ailleurs, dans le bon tout, dans nous. Et si vous, grâce à vous, ne pouvaient pas obtenir quelque chose. D'autres ont pu en profiter du jeu de la mine et du baccalauréat. Et aujourd'hui, le prophète, il est un homme du village. Il est un homme du village. Aujourd'hui, il est un homme du village. Mais voyez, entre nous, vraiment, je vous remercie beaucoup. Beaucoup. Grâce à ce monsieur, nous avions eu l'ouverture du prière. Daroko, tout a dit. Allez, à côté de Daroko, tout a dit. Aujourd'hui, ça fait petit pied, ça fait la première fois. Et aujourd'hui, il vient pour faire un jeu de terre. Et ça l'a fait. Mais il fait de pas. C'est monsieur que nous voyons ici. Non, c'est lui aujourd'hui qui est à la base du développement des Zaroko. Mais aujourd'hui, le prophète Joël, vous n'avez pas été tellement long. Même si on vous pouvez toujours s'asseoir, continuez. Je vous remercie. Amen. C'était difficile. La c'était difficile.
bénissons le Seigneur pour l'évolution du village. J'ai rencontré la grande communauté camerounaise à Paris. Vous connaissez ça? Ils m'ont dit qu'ils allaient l'année prochaine. Et les Camerounais veulent me prendre. Je voudrais venir vous demander la permission. Mais en 2017, j'aurais tourné dans tout le Cameroun. Le boulot que nous faisons, tout le monde Quand je disais ça aux gens, ils pensaient que c'était de l'amusement. Quand vous disiez plus de 168 pays aussi dans le monde, les gens pensaient que c'était de l'amusement. Demandez à vos parents qui sont à Paris. Ils ont vu ce qui s'est passé à Paris. La plus grande salle, la plus grande salle de Paris était toujours pleine. Les gens venaient de un programme de 18h, depuis 3h du matin, les gens dorment à la porte. Amen. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Parce que tu es Dieu. J'ai rencontré les gens du Bata. Je les encourage tous, j'ai béni. Chacun compte son histoire. Mais nous voulons encourager les gens. Amen. Vous voyez les enfants, vous voyez là. Ce sont des trésors. Les enfants. Un enfant est une bénédiction. Amen. Or nous les Africains, on aime faire enfants. On est pondeuse. Tu demandes ton enfant à quel âge? Le petit, il a 2, il a 9 mois, le dernier. Et l'autre. Qui est le numéro? Il a 1 an. On dit, mais comment tu as fait? Oh, gars, je mais c'est quand même là. Mais on parle pas sur les enfants. À bien à pas de mal. Il au monde. Et je vais faire un bon Dieu. Pour le. Là, moi, je vais faire un bon. Amen. Quand tu mets l'enfant au monde. Et quand je vais faire un il faut t'équiper de lui. Bateau est là, il. C'est envoyer les enfants partir pendant 13 jours. Bon, on va voir, à l'école. Là, on est l'école. Nos enfants, on les met au monde, on va prendre soin d'eux. Et quand on est là, ça c'est très important. Et je me suis toujours battu pour ça dans ce village. L'éducation des enfants. Si c'est lui qui ils deviendront les meilleurs. C'est tout. Mais bon. Vous voulez voir les cartes. Ne cherchez pas ailleurs. C'est qu'on sème d'abord les cartes. Vous voulez voir les cartes, vous sèmez. Vous commencez à les apprendre à marcher selon Dieu. Et les encourager à aller à l'école. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Nous allons partager les cadeaux. On peut m'ouvrir la secrétaire là-haut. Et la mort vient là. À l'honneur, il y a.